Bonjour à tous, allez un petit tour à Electro des pots de Thiers pour voir un petit peu ce qu'il y a. Alors on a des assiettes 26 cm. Elles sont à 1,98€, donc elles sont en prune comme ça et en grise. On a une ménagère inox 24 pièces. Avec un joli manche à relief comme ça. La ménagère est à 14,98€. Des bols colorés, 1,49€. Il y a vraiment plusieurs couleurs, plusieurs motifs. On a un lot de 12 verres Luminarc, plutôt flûte. J'aurais dit flûte, mais du coup, je vois pas le prix. Sinon, on a des verres comme ça, les 6 pour 5,99€. Donc là, c'est toujours Luminarc. Pour le coup j'ai ce prix là, mais en fait les flûtes c'est pas des 36, donc c'est pour ça je pense pas que ce soit ce prix là. Un petit arbre lumineux, 4,90€. On a une centrale Philips. Alors comme je vous le dis à chaque fois, pour choisir votre centrale, quelque marque que ce soit, il faut pas prendre en dessous de 6 barres. Parce qu'en dessous de 6 barres, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, celles qui m'ont suivi quand j'ai fait un direct chez Boulanger, c'est bien ce qu'avait dit le vendeur. Donc il a rejoint ce que je vous ai dit, en dessous de 6 barres, c'est pas terrible. Donc prenez vraiment 6 barres à ce niveau-là. Après, quand on achète une centrale vapeur, il y a plein de choses qu'on peut regarder. Déjà, s'il nous convient au niveau de la prise en main. Moi, ce que j'aime bien, enfin, ce que j'avais regardé pour ma centrale quand je l'ai acheté, c'est qu'il y a un petit loquet qui bloque ici. Donc celui-là, j'ai l'impression qu'il l'a pas, mais après, moi j'avais pris ça parce que voilà, j'ai toujours peur que les enfants fassent bouger la table et que ça tombe, ou que je fasse tout simplement tomber le fer. Donc du coup, avec la petite fermeture, il y a plus de sécurité. Mais après, voilà, on n'a pas tous les mêmes besoins, donc vraiment prenez par rapport à vos besoins à vous. Donc, et cette centrale, elle est à 139,98€. Aspirateur Dyson. Donc c'est... Hop, aspirateur traîneau, en fait, ça donne ça. Donc il est à 269,98€. Alors quand voilà, quand je vous propose des choses comme ça. J'ai pas forcément toutes les informations sous les yeux, mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est aller regarder, voilà, par exemple sur Google, hein, aspirateur Dyson, Big Ball Parquet. C'est pour ça que je vous montre aussi des caractéristiques, et puis vous aurez plus d'infos et puis surtout des avis. Moi, le petit conseil que je peux vous donner aussi au niveau des aspirateurs, mais plus balai, parce que moi j'ai plus ce genre d'aspirateur, j'ai plutôt un aspirateur balai, c'est un aspirateur comme ça, vous savez, hop. Et du coup, si vous achetez un aspirateur comme ça, il faut prendre 18 barres minimum. En dessous, pareil, c'est pas intéressant. Et choisissez bien votre brosse. Donc que ce soit celui-là ou le traîneau, prenez la bonne brosse. Parce que maintenant, avec les nouvelles générations d'aspirateurs, c'est vrai qu'on va vous vendre une brosse pour le parquet ou pour la moquette ou pour le lino. Donc demandez bien selon votre sol. Alors il y a des aspirateurs qui font tout, mais il y a des aspirateurs qui vont vraiment être spécialisés sur tel ou tel sol. Donc celui-là, c'est le balai Roi DMI, je ne connais pas. Et il est à 189,98€. Vous voyez, donc c'est un 22,2. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Je vous ai dit, moi je suis passée à ça. Et c'est vraiment pas mal parce qu'on peut, aller partout d'une pièce à l'autre. Alors par contre, celui-là par rapport aux aspirateurs traîneaux, c'est qu'évidemment c'est l'autonomie. Donc ça va dépendre de votre pièce. Hein. En général, ça tient minimum entre 15-20 minutes jusqu'à 40 minutes. Ça va dépendre de votre aspirateur. Tiens, Babyliss Curl Secret.
Donc pour faire des petites anglaises ou des grandes anglaises, donc boucle parfaite, longue tenue, il est à 49,98 €. C'est que dans les cadeaux qu'on retrouve chez la femme ou plutôt les ados, jeunes filles, c'est tout ce qui va être spécialiste pour les cheveux, le lisseur, après dans les autres cadeaux pour les plus grands, on va dire ça comme ça, ça va être une machine à café, ça va être pourquoi pas un téléphone, ça va être plein de petits électroménagers comme ça. Après bien sûr ça va être selon le besoin de la personne à qui vous allez l'offrir. Ses cheveux Remington. C'est sympa, il y a même la brosse. Donc il y a les deux embouts, il y a celui-là. Donc ce qu'on regarde aussi dans un sèche-cheveux, c'est ici, c'est si il fait bien chaud-froid et au niveau des vitesses. Et donc celui-là, il est à 34,98 € et c'est un 2200 watts. Ouais, 34,98 €. Niveau ado, hein, au niveau des cadeaux, il y a aussi ça plaît à coup sûr, sauf si votre ado n'aime pas la musique, mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui n'aiment pas la musique ou le son. On a celle-ci, c'est JBL, c'est la JBL Flip 3, elle est à 68,98 €. Les cadeaux qui plaisent aussi, c'est les, j'appelle ça des AirPods, je sais que c'est une marque, mais en fait, je veux dire, c'est des écouteurs sans fil. Alors, il y a tous les prix. Alors, les vrais AirPods, je crois que c'est dans les 180 €. Donc, sinon, on a ceux-là à 24,99 € avec la petite boîte. On a ceux-là à 35,95 €. Ceux-là, non. Ceux-là, non. Et on a ceux-là. Les Xiaomi, ils sont à 78,89 €. Tiens, on a aussi des JBL, 99,97 €. Alors juste attention, hein, parce que moi j'ai déjà vu faire dans un magasin où la personne demandait des écouteurs sans fil. Écouteurs pour moi sans fil, c'est bien ça, parce qu'il y a ce style-là. Et en fait, alors oui et non, c'est sans fil, parce qu'en fin de compte, vous les mettez dans chaque oreille, vous avez ça autour du, vous voyez, autour du cou derrière, mais il n'y a pas réellement de fil qui va au téléphone. Mais pour moi, si on vous demande bien des écouteurs sans fil, super pod, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fil, il y a juste vraiment les deux embouts. Tiens, on a un kit connecté, donc on a la montre, on a la batterie et le set d'écouteurs pour 29,98 €. C'est de la marque Blue Punch. Et après aussi on a un autre type d'écouteurs, c'est ceux-là. En fait il y a le petit bout là qui dépasse, mais pareil, hein, ceux-là pour moi c'est des écouteurs sans fil. Hein. Je pense que vraiment ce type de produit là, les écouteurs sans fil, ça va être aussi l'un des cadeaux préférés des ados, pré-ados ou même adultes. Cadeau aussi préféré, on va dire, des ados, pré-ados, c'est tout ce qui est coque. Alors vous êtes sûr qu'en offrant une coque, hein, vous allez à coup sûr plaire. Hein, donc suffit que tu ajustes un peu ce que préfère votre ado. Hein, paillette pour les filles ou un héros pour les garçons, ou tout simplement transparent. Alors juste, je crois que j'ai oublié de vous le dire, à savoir qu'à Boulanger, ils ont des téléphones reconditionnés. Donc ça veut dire des téléphones qui ont déjà été utilisés, mais du coup, ils vont être un petit peu moins chers. Juste un petit exemple, l'iPhone, celui-là est à 599,90 €. On a l'iPhone 10 à 699 €. Donc il est reconditionné, il est garanti un an. Un autre exemple, hein, l'Huawei P30, 279,98 €. Alors, je peux vraiment pas du tout vous dire que c'est une bonne affaire ou pas, parce que j'ai pas du tout les prix en tête des téléphones. Mais voilà, si vous recherchez un téléphone d'occasion, il y en a ici aussi. Un petit tour dans les lisseurs, on a celui-là, le Babyliss Elegance 235. Il est à 38,90 €. Et on a aussi le Remington à 38,97 €. Alors ce que je vous disais, le petit conseil, c'est de prendre un lisseur qui va jusqu'à 230 degrés, parce qu'il y en a beaucoup qui vont jusqu'à 180, mais c'est mieux de prendre un peu plus chaud si vous pouvez. Prendre en un des moins chers, hein. 14,98 € et pareil, maximum 230 degrés. Alors, j'ai vu ça la dernière fois, j'ai trouvé ça assez pratique.
C'est un mini lisseur et ça c'est bien si vous avez des petits cheveux, les cheveux très courts déjà, ou des petits cheveux, une petite frange, etc. Et c'est 4,99 €. Par contre, du coup, il va jusqu'à 180. Mais je pense que ce genre de petit lisseur, ça doit pas aller plus, à mon avis. Mais bon, avec ça, n'espérez pas faire un lissage si vous avez les cheveux mi-longs ou longs, hein. C'est vraiment, pour moi, voilà, un petit dépannage, hein. Ou les petites mèches. Tiens, un petit tour dans les machines à coudre parce que je sais que j'ai énormément d'abonnés qui aiment la couture. On a celle-ci. Par contre, je ne peux pas vous donner plus de d'infos. Donc, du coup, je vous laisse regarder, faire petite pause et regarder. Donc, celle-ci, elle est à 48, à 88,98 €. C'est la Brover X14S. Et on a la Singer Tradition. Elle est à 129,98 €. On peut aussi offrir une petite caméra, ce qu'on appelle GoPro. Enfin, ce qu'on appelle GoPro, mais en fait, c'est caméra de sport plutôt. Donc, on en a à 99,97 €. Alors, il y en a qui sont pas chers. On peut même en trouver encore moins cher. Ça va dépendre à qui vous allez l'offrir. C'est vrai que si c'est un enfant, ou bon, mettez pas cher. Mais si c'est pour quelqu'un qui va vraiment l'utiliser dans ses loisirs, bah, vaut mieux mettre un peu plus et avoir quelque chose de bonne qualité. Ou tout simplement acheter quelque chose de bonne qualité et attendre les soldes. Ce que je veux dire, c'est que dans ce genre de cadeaux, il y a des fois des cadeaux, bah, vaut mieux mettre un peu plus. Parce que c'est vrai que payer pas cher, c'est bien. Mais si vous l'offrez et puis que la personne, bon, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, ou elle avait l'intention de filmer tous ses loisirs et qu'elle ne peut pas, bah, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Moi, personnellement, du coup, mon expérience, parce que j'en ai acheté une à mon fils, donc je l'ai payée vraiment pas cher. Elle était en promo vraiment pas cher. Mais du coup, même, je crois qu'elle est, enfin, elle devait être dans les 70 €. J'ai dû la payer, allez, une quinzaine d'euros. Mais le problème, c'est qu'on est vite arrivé au-delà de ce qu'elle pouvait faire. Et donc, du coup, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Donc, on va filmer de temps en temps en vacances et tout. Mais oui, vraiment, enfin, on sent le besoin d'avoir encore plus une meilleure qualité. Donc, vraiment, si on vous demande une GoPro, bah, essayez de prendre quelque chose enfin, par rapport à ce que la personne va en faire. Si vous savez que c'est un enfant qui va filmer juste 2-3 minutes comme ça, c'est pas grave. Mais si c'est pour un ado ou un adulte qui va vraiment s'en servir très souvent, essayez de mettre un peu plus et de prendre quelque chose d'un peu, enfin, d'une meilleure qualité. Quelque chose qui plaît beaucoup aux ados et pré-ados, surtout, je crois, il y a 2 ans. C'est ça, c'est les Fujifilm, en fait, vous savez, c'est les appareils photo à l'ancienne. Alors, les prix, je vais dire, ils ont vraiment baissé, puisque quand il y a encore 2 ans, celui-là il était à plus de 100 €. Alors, par contre, le seul petit, voilà, le petit bémol pour moi après, c'est de retrouver les pellicules. Quoi qu'il y en a là, en fait, c'est ça. Voilà. Et c'est 9,98 € les 10. Hein, donc, pareil, hein, si vous prenez un appareil photo, normalement il y en a 2, mais ce qui serait sympa, c'est de lui acheter ça en plus. Et ça, les ados, ils adorent parce qu'en fin de compte, ils font des photos et ça sort tout de suite, même si vous organisez un événement. Moi, je sais que des fois, quand je vais à certains événements, ben, en fait, c'est rigolo parce que c'est ce qu'ils ont. Donc, du coup, ils vous prennent en photo, ils vous donnent la photo tout de suite. Au niveau comment dire, au niveau du prix de revenu, bon, à force, ça revient cher parce que du coup, on ne peut pas faire tellement de photos. Hein, mais voilà, c'est un cadeau qui plaît beaucoup. 59,98 € ou celui-là, ça doit être le dernier, 89,89 €. Allez, on a assez parlé des cadeaux pour les autres. Si vous avez besoin de vous offrir une télé, alors il y a celle-ci, Sharp, 599,89 €. Je vous laisse regarder. Sinon, on a la Samsung, elle est incurvée, j'allais dire légèrement, mais non, elle est incurvée tout simplement. C'est celle-ci, la référence. Sinon, on a une autre, la LED 4K Samsung 50, 50 pouces. Voilà, je cherchais les caractéristiques. Voilà. On a un PC portable Thomson. Alors pareil, hein, tout ce qui est ordinateur, bien sûr, ça va être selon ce que vous avez besoin de faire avec. Donc faut, là, je vous donne un prix. Je vous donnais un petit peu ce que je vois comme descriptif. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez faire avec. Donc celui-là, il est à 158,94 €. Donc avec Windows 10.
Je pense que ça, voilà, pour faire peut-être un peu de traitement de texte, aller sur Internet et tout ça, c'est largement suffisant. Il est là. On a un disque dur de 4 Tera. Il est à 89,89 €. Ça, c'est bien si vous n'avez pas assez de place sur votre disque dur, sur votre ordinateur. Ou ça peut vous servir tout simplement de disque de sauvegarde secours. 89,89 €. Télé LED Polaroid, celle-ci, elle est à 169,99 €. Yo Thierry. C'est un clavier Casio. Ça, je sais aussi que ça peut être une bonne idée cadeau. 129,98 €. Il est là. Alors attention parce que je me demande s'il y a le pied qui est inclus. Je vous dis ça parce qu'une fois moi je me suis fait avoir, j'en ai acheté un pour ma grande et du coup il n'y avait pas le pied. Alors là j'arrive pas à voir s'il y a le pied. Bon déjà je vous donne les références. Mais du coup demandez, vérifiez. Parce que du coup si le pied à part, autant avoir le pied. Parce que sans pied c'est pas pratique. Moi je me souviens à l'époque j'avais acheté sur le Bon Coin le pied d'ailleurs. Voilà, bon bah écoutez, j'ai fait un petit tour dans ce qui était proposé, j'ai essayé de vous donner un petit peu des idées, les idées qui me venaient en tête. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Alors bien évidemment, hein, ce que je vous ai présenté, ça représente allez, 10% du magasin. Il y a énormément d'autres choix de télé, il y a vraiment tout l'électroménager ici. Alors ce qui est sympa ici, c'est que en fait vous allez avoir souvent des arrivages. Alors c'est des produits que vous n'allez pas retrouver d'une semaine à l'autre. Mais parfois les prix sont intéressants. Par contre les produits qu'il y a un petit peu partout, bon, on retrouve quasiment les mêmes prix. Mais surtout sur les arrivages, ben, on peut faire de bonnes affaires. Voilà, je vous dis à plus tard.